Salam alaikum, j'aimerais réagir par rapport à la victoire victorieuse des victoriotissimes Fennec de l'Algérie contre l'équipe de Tanzanie. Et voilà, l'histoire se répète. Après avoir giflé l'Ouganda 2-0, les Fennec de l'Algérie viennent de gifler la Tanzanie combien? 2-0. Et voilà, l'histoire se répète. Jamais un sans deux. Et voilà, c'est fait. Et tranquillement, techniquement, les Fennec ont giflé le côté droit du but tanzanien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu le côté gauche. Et donc, les Fennec, ils ont regiflé le côté gauche. Wahed Zouj. 2-0. Mais franchement, on va vous dire, ça nous fait quand même mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur de vous coller la tannée comme ça devant votre public, votre supporter, vos fans. Ça nous fait, voilà, ça nous fait mal au cœur. Alors bon, ce qu'on propose, bon, tous ceux qui viennent à domicile en Algérie, on joue au 5 juillet, on vous met la tannée, il n'y a pas de problème. Mais quand les Fennec vont jouer à l'extérieur, on propose que ce soit joué à huis clos. Oui, comme ça, la tannée, elle est un peu plus discrète, un peu moins humiliante. On va faire comme ça. Et ouais, et comme disait feu Charles Aznavour, il paraît que la défaite serait moins pénible à huis clos. Ah la 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 la. Et pour tous ceux qui se sont toujours demandé ce que ça signifie, DZ. 2-0. One, two, three. Yeah, viva l'Algérie. Yeah.